ravie de vous retrouver une fois de plus à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, le coup d'État au Mali aboutit à la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les détails dans ce journal. En République démocratique du Congo, c'est la reprise des négociations FCC Cash. Politiques et analystes réagissent dans cette édition. L'honorable Christelle Boukoumba Boungoï est recherchée après ses propos attentatoires à l'honneur et à la dignité de la première dame Denise Nyakeru à suivre dans cette édition. Le monde culturel congolais est en deuil. L'artiste Radja Kula, l'homme des 6600 phases, s'est éteint. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec la démission du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP a pris le contrôle des institutions avec pour mission d'instaurer une transition politique et civile en vue d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Suivez. Comité national pour le salut du peuple, CNSP, adresse à la nation maliennes et maliens. Depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. L'éducation nationale piétine et même patauge. La santé est au plus offrant. La décentralisation prônée comme moyen de rapprocher le pouvoir des populations a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. Maliennes et maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. En RDC, après ses propos attentatoires à l'honneur et à la dignité de la première dame Denise Nyakeru, Christelle Boukoumba Boungoï est recherchée par le parquet général près la cour de Kinshasa Matete pour être entendue. Suivez. Ngoï Kassandj et sa famille, occupant illégalement la parcelle de Gabriel Mokia dans la commune de la Gombe, ont été déguerpis. Sa fille, Christelle Boukoumba Boungoï, s'en prend à la première dame par des propos injurieux. Tout de suite, la vidéo devient virale. Maman, on dit que moi, c'est un sacré délire. Nangaï, à qui est-ce que tu as?
Mardi, dans une vidéo rendue publique, l'honorable présente des excuses pour ses propos attentatoires à l'honneur et à la dignité de Denise Nyakeru. Il m'est attribué d'avoir tenu des propos à l'endroit de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Je ne peux pas manquer du respect à la très distinguée première dame. Si quelque part les propos auraient vexé la très distinguée première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, pour preuve, mon compte Facebook. Je lui demande sincèrement pardon. L'éducation reçue de mes parents ainsi que ma religion chrétienne ne me permettent pas de tenir des propos désobligeants à l'endroit des parents. Se saisissant de cette affaire, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete lance un avis de recherche à l'encontre de la députée provinciale du Kasaï Oriental pour être entendue au sujet de ses propos diffamatoires. Comme vous le savez, Ngoïka Sandji a été déguerpi de la maison dans la commune de la Gombe qu'il occupait illégalement. En réaction à cette situation, le professeur Omeonga, secrétaire général du Parti de la Révolution populaire de Laurent Désiré Kabila, estime que Ngoïka Sandji n'a pas de documents prouvant que cette maison lui appartenait. Et selon lui, la justice a fait son travail. Il le dit au micro de Dieu Merci, Kanyonga et David Binga. Suivez. Au Parti de la Révolution populaire de Laurent Désiré Kabila, le professeur Omeonga Onakoudjan, secrétaire général, approuve la décision de la justice dans l'affaire Ngoïka Sandji. Nous, les gens des musées, nous aimons la justice, et surtout la justice des citoyens ordinaires. Et nous pensons que quand nous sommes arrivés ici en 1997, je crois que la première chose que nous avons mis au BEMA, pour au moins essayer de trouver des maisons qui ont été acquises illégalement. Si Ngoïka Sandji, par la justice, trouvait que non, la maison-là, c'était vraiment à Monkia, et que Monkia devait venir dans ses droits, c'était quand même la justice, et que peut-être ça a changé un peu les choses. Donc nous sommes maintenant au moment où les gens ont fait qu'on tranche, la justice doit regarder pas seulement les personnes ou les finances politiques, mais regarder les dossiers sous le plan des pièces. Faisant d'une pierre deux coups, ce professeur ordinaire de l'UNIKIN soutient le réaménagement du comité de suivi de l'accord FCC-CACH. Moi, je crois que la décision prise par les deux responsables, le chef de l'État et l'autorité morale de FCC, de changer les animateurs et voir comment les autres font travailler, je pense que c'est une bonne chose pour éviter qu'il y ait toujours des cacophonies au niveau de le parcours de cette coalition que nous souhaitons tous. Pour finir, Omeonga propose la création du comité scientifique pour étudier le moyen de mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Reprise des négociations FCC-CACH, le Lamuka Bob Bolabwe qualifie la coalition FCC-CACH d'une alliance contre nature. Et selon lui, en dépit des changements des animateurs à la négociation, rien de bon ne peut sortir pour le bonheur du peuple congolais. Élément de Justine Luanga et Lucien Kiasi. Suivez. Des négociations FCC-CACH, rien de bon ne peut filtrer de cette alliance, lâche Bob Bolabwe. Aussi hier. La base, l'UEPS avait exigé à Félix de retirer sa signature à Genève. Aujourd'hui encore, cette même base exige justement la mise, à mort de cette alliance-là. Mais paradoxalement, on ne comprend rien, Félix s'y accroche. Donc je crois que de cette alliance, rien de bon ne pourra sortir, même s'il change les acteurs. Parce que le fond, c'est Félix et Kabila. Peu importe les animateurs qui sont là, mais c'est Kabila et Félix qui sont à la base de leur pacte. Concernant la réforme proposée par Martin Fayulu, Bolabwe estime que Lamuka n'est pas commandeur de poste. Il avait mis sur la table le plan de sortie de crise. Il était visionnaire. À l'époque, certains pensaient qu'il était un rêveur. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de réforme. Tout le monde en parle. Et de réforme, pourquoi? Parce que le pays est bloqué, rien ne marche. Donc si nous voulons vraiment débloquer la situation, effectivement, nous devons aller vers une table ronde, discuter, se poser trois questions. Un, pourquoi ça ne marche pas? On va donner des réponses. Comment faire pour que ça marche? C'est ça les réformes. Et après, on verra comment on pourra évoluer. Donc partager les gâteaux, comme disent certaines personnes, ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, qu'ils ont les gâteaux, qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Donc le problème, ce n'est pas le problème des gâteaux, le problème des responsabilités.
Kabounze Kabouya de l'UDPS, Chadari du PPRD écarté des négociations FCC-CACH. Jean Mangalibi analyse au micro de Dieu merci. Kanyonga et Luzon Kiasse. Pour Jean Mangalibi, analyste politique, la mise en égard de Jean-Marc Kabounze et Augustin Kabouya de l'UDPS ainsi que Ramazan Chadari du PPRD est une distraction. On est d'accord que la population a toujours ignoré. De toute façon, on n'a jamais dit à la population ce qu'on avait signé. Quand ils se sont vus pour la première fois, on ne sait pas qui était présent, qui était absent. Aujourd'hui, bon, la manière dont ils sont en train de gérer, bon, c'est à eux de voir. Le plus important, comme on l'a toujours dit, ce sont des accords normalement qui a enfoncé le pays. Là où il y a eu beaucoup d'impunité, malgré qu'on parle de l'état de droit. Si cela peut permettre à ce qu'aujourd'hui, je dirais, la constitution soit au-dessus des accords, moi je dirais que c'est une bonne chose. En sachant que dans ces accords, on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent au-dessus de la loi. Et qui, cette fois-ci, je crois qu'ils vont quand même arriver à mettre à nu ces accords pour permettre à ce que la population sache si ça va évoluer par rapport à l'intérêt de la population ou de la nation, ou bien ça va être juste par rapport à un gâteau qui cherche à se partir. Par ailleurs, Jean Mangalibi soutient l'audit du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, concernant le 4 millions de dollars alloués à la gestion de la COVID-19 pendant l'état d'urgence. Cette pandémie, c'est une arnaque internationale. J'ai dû faire l'audit, c'est une bonne chose. Si réellement il avait mal géré, bon, du coup, la justice va s'occuper de lui. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID, parti cher à Martin Fayulu, se penche sur la question de la réforme électorale. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga, suivez. Quand il arrive en nombre d'États, plus de polémiques, il a un sujet précis pour l'avenir de notre pays, ce sont les réformes institutionnelles. Il arrive à organiser les forces qui se sont prononcées et qui l'ont rejoint autour des réformes. Lorsque Martin Fayulu a sorti son plan de sortie de crise, qui prévoyait les réformes, tout le monde a crié qu'il était à la recherche d'un poste, qu'on ne cherche pas un poste auprès de celui qui n'en a pas. Et comme l'État est toujours l'ami de la vérité, tous ceux qui ne croyaient pas aux réformes sont devenus les chanteurs, les animateurs, les sensibilisateurs de l'opinion tant nationale qu'internationale pour les réformes. Voilà pourquoi les différentes initiatives qui ont rejoint Martin Fayulu, les catholiques, les protestants, les groupes des 13 parlementaires, tous les groupes de la société civile qui trouvent aujourd'hui que c'est mieux de faire les réformes. L'initiateur des réformes, Martin Fayulu Madidi, arrive à Kinshasa, il va réunir toutes les sensibilités et donner à cette philosophie la valeur qu'il lui faut. Dans un autre registre, l'audio de Lambert Mende sur le contrôle de la Cour constitutionnelle par le regroupement FCC continue de susciter des vives réactions au sein de l'opinion. Pour Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, si nous voulons une Cour constitutionnelle, il faudrait que ces juges émanent du Conseil supérieur de la magistrature. Élément de Justin Magnongo et Luzon Kiasse. Suivez. Je suis tout de même surpris de voir qu'on en fait une actualité. Il suffit seulement de vous référer à la Constitution pour vous rendre compte qu'on a fait de la Cour constitutionnelle une entité, une institution éminemment politique. Lorsque le président s'est choisi le 3 juges, c'est avec comme finalité d'avoir une mainmise sur la Cour constitutionnelle. Et lorsque la majorité s'est choisie de 3 autres juges, c'est justement pour avoir un représentant ou sinon un point focal au niveau de cette Cour. Ce qui veut dire que la Constitution déjà a consacré la politisation de la Cour. Parce que la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel du président de la République sur des questions pénales, ne peut pas être constituée des juges choisis par le politique qui sont appelés à se soumettre ou sinon à être jugés par la même Cour. Parce que déjà, lorsqu'on est choisi par la majorité parlementaire, on est de la même famille que le Premier ministre. Et lorsqu'on est choisi par le président de la République, aujourd'hui nous avons le président de la République et le premier ministre qui sont membres d'une même composante que nous appelons le FCC-CACH,
toutes choses restant égales par ailleurs, il est difficile à ces juges de traduire en justice ou de mettre en accusation M. Félix Tshisekedi est le Premier ministre. On ne peut pas avoir le membre de la Cour constitutionnelle qui vienne de partis politiques. On n'est plus dans l'indépendance de la justice. Nous nous prenons pour l'avènement de la 4e République. Et dans la 4e République, les juges ne seront pas choisis par les politiques. Ils viendront du Conseil supérieur de la magistrature, tout simplement. Il a quitté le gouvernement, mais il n'a pas été abandonné. Marie-Olive Lembe, épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a rendu visite à l'ex-premier vice-ministre en charge de la justice, Tunde Kassende. Le point avec Philippe Ouvumpi. Suivez. Nous sommes mardi 18 août. La femme de Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, a fait le déplacement chez Maître Tunde Kassende, ancien vice-premier ministre, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. C'est une visite de réconfort à ses membres du Front commun pour le Congo, FCC, obligés de quitter le gouvernement Ilukamba après avoir envoyé à l'Assemblée nationale l'avis de l'exécutif national concernant les propositions de loi sur les réformes judiciaires initiées par Obe Minaku et Gary Sakata, sans ces dernières puissent être débattues au Conseil des ministres. Avant de déposer sa démission, Tunda avait été interpellé et poursuivi par la Cour de cassation pour faux en écriture. À cause de ses propos tenus le soir de sa libération, Tunda a été empêché de prendre part au Conseil des ministres par le président de la République. Mort suite à un accident sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, la capitale, la dépouille mortelle de l'avocat général Georges Moulongo Kabangé reçoit les derniers hommages des officiels et des siens à Lubumbashi ce mercredi avant son inhumation qui doit intervenir ce jeudi. Tout à fait autre chose à présent. La plateforme Lamouka va tenir un meeting sur le terrain Sainte-Thérèse à Ndjili après l'atterrissage de Martin Fayulu et Adolphe Mozitou à l'aéroport international de Ndjili ce 22 août 2020. L'autorité urbaine a déjà été saisie. Steve Kivota est communicateur de cette plateforme au micro de Jocelyne Luang et Luzon Kiasse. Suivez. Ce 22 août, les IRA à l'aéroport international de Ndjili, attendre que deux leaders de la Mouka atterrissent, eux qui viennent d'une tournée héros américaine. Nous allons les accueillir en tant que peuple congolais et nous allons les acheminer jusqu'au terrain Sainte-Thérèse à Ndjili où se tiendra un meeting où il est attendu par le peuple congolais un message de la part du leader de la Mouka, à savoir le président élu Martin Fayulu et les coordonnateurs de la Mouka, Adolphe Mozitou. Je saisis le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'informer de cet accueil des deux leaders et de la tenue du meeting en Chili, l'a accusé réception. Nous respectons le geste barrière. Nous n'avons pas besoin de partager le poste avec cette coalition qui dysfonctionne, une coalition qui est le produit de la violation de la souveraineté du peuple, de la violation de la Constitution. Une coalition qui n'a pas un bon bilan, une coalition qui a un bilan médiocre que l'on peut même qualifier de néant. Nous ne sommes pas pour le partage de postes, mais cependant, c'est depuis longtemps que le président élu Martin Fayulu avait présenté son plan de sortie de crise au peuple congolais. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que sans l'exécution de ces plans de sortie de crise, nous allons tout droit vers le mur. Le monde culturel congolais est en deuil. L'artiste congolais Mbuta Mutura Djakula, l'homme de 6600 phases, n'est plus le patron de l'orchestre Station Japan, a tiré sa révérence. C'était au Kenya, loin de la République démocratique du Congo, sa terre natale. Très connu dans les années 90, l'artiste s'est distingué dans les danses et surtout sur sa franchise. C'est une très grosse perte pour le monde culturel congolais. SOS de la famille d'une victime d'un accident de circulation. Suivez, c'est en nos commentaires. Papa Mbote. Mbote. Maman Mbote. Mbote, papa. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la bureau. Comment on a les camions? Merci beaucoup. Comme on a dit, Dieu merci. Kimbembi. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Bon.
ndeko vraiment eloko ememi biso epana yo parce que tolanda ka ope mingi toyebaka batu bilé baleka ka travaux et puis basoba ba solution ou yo moko po apporta ka aide en plus pe ou batu ba apporta aide na nzela na yo. Bon problème ememi biso epana yo nazali li passa disons jumel nanga ya sala ki accident ya zali nsimba nga na nzuzi jumel nanga sala ki accident batuta ki le 17 juin dans la entre Delvaux et Mataipen, côté alimentation de Kiev. Maintenant, et depuis bah, ça, l'accident, là, il a hospitalisé dans l'hôpital à Kalfungula, pas policier. Maintenant, le propriétaire a mis jusqu'à à mon raté. Après qu'on s'en un accident, et après deux jours, maître avocat à mon anaki, à l'obi Azali, avocat à mon colo Moutouka, à Kombo et à maître Igon Kiambi. Ayaki, Tokutanaki, nous apporter quelque chose, oui, c'est là qui est suffisant. Maintenant, quelque chose, wana, et par après, et, il fallait bah, opérer. Bah, opérer, il fallait opérer, il fallait opérer, il fallait des informations, il fallait monter un bongo, la valeur est 2000 dollars, au médecin Sengaki, a même les bisous 800 dollars. Tout ça, il n'y a pas papier, tout ça, il n'y a pas papier. Acte de reconnaissance. Oyo Andimaki, a pesé à compte, bakoubak sa 1200 dollars et tikane. Mais jusque là, azo réagi à te. Nazana numéro na téléphone. Ce qui n'a bien dit, azo lo banangay, n'a même avocat nanga, n'a pas aké, te lever copie, te kene na semence. Mais na moment où tu zali, difficulté sa makasi, malade yazali aliaka, en plus, ba opéra ke loko les anapota, et je suis un pansement à Bakis, nous avons soutenu le soutien. Dans ce livre, il faut attaquer moi dans mon bal, dans mon monde qui est, dans mon cocalé sous soutien. Et moi, je suis un frère qui n'a pas de naïo, n'a pas de moto, ou son rappel batoumingi, ou un gars naïb, c'est pas pour rien naïb. Ah, la raison même n'est pas naïb. Avocat, Yamoutou Kawana, vous avez un gars naïb. Bon, au début, l'air a été. Na singa ki eloko moko na ebisa ki ke sunganga ina ne kwa ko mabile reste on va voir après ata ba tout tinde kona yo na oui to mona nde ko ba tout ye makasi oui ava vraiment moko na ki ya su problème na lokolo na loboko ezangi loboko e bokani oui ezangi pena déclassé donc ba ti ma bindi na liboko ba ti ma bindi kaka libana na lokolo meza ti na kati c'est pourquoi ke médecin a singa ki monta wana. Médecin, c'est un montant 2000 dollars. Anesthésie à part. Il y a juste acte, mais anesthésie, tu fous à part. Dans la valeur, il y a 120 dollars. Ce qui fait 2120 dollars. À l'ouba qui n'a pas assisté à la souka, mais jusqu'à là, à Katay, à Katikat, à mon akaïti. Il y a un téléphone, à l'ouba qui n'a pas assisté à la souka. Il y a intervenu à ta pône à couler pour le moment. Dit que tu es en assurance. Maintenant, en assurance, nous avons un casse. Nous appelons un bon refoutre avocat. Maître Len. Maître Igon Kiambi. Igon Kiambi. Il y a un avocat qui est un avocat. Il y a un avocat qui est un avocat. Il y a un avocat qui est un avocat. Il y a un avocat qui est un avocat. Il y a un avocat Madame Idalis. Idalis. Idalis Mafumba Ngin. Il y a un avocat qui est un avocat qui est un avocat. Il y a un avocat qui est un Fortinaire, Jeep Fortinaire. Jeep en aussi quoi ça? Ils ont la PCR na Delvo. Tilelo. Tilelo. Ils ont la PCR. Na Delvo oui. Si quoi? Faut comment ça? M'colo mutuka. Des avocats na yemu ta PCR deux montants na les restes à tout PCR sur. À tout PCR les sous-soutiers. Ndeko, quoi PCR sur la photo tout monde ndeko ba. Oui. Oh document c'est mes documents. Oh ils ont les actes. Oh y a tout ça là qui l'a rappelé ça qui m'bombe. On a payé 800 dollars. Qui est à 1200 dollars à compléter. Mais jusque là, rien. Ma photo. Ma photo. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Entre la vie et la mort, hein. Oui, c'est ça. On a pas de déconnu sur ma zone en dos. Et ça, je n'ai rien. Pour la bande de connus, nous sommes en train vraiment dans l'équipe. Il ne faut pas courir. Parce qu'il y a comme une souka, on a bien un salon de secours, on a un salon de secours. Oh, nous sommes en bonne volonté.
nous battons l'unité ma madame au busunga kabatu busunga bisu rien qu'un déco donc on a vu la zaga en hôpital à zan hôpital on a battu tout à l'heure quand le fongo là oui quand le fongo là oui si on va sonder les binos qu'on a pas mettre on a battu tout à l'heure oui à l'obit tout qui est nationance na lukavuka na qui tout qui est nationale tout lever copie n'a pas magistrat tout qui est nationance alors que n'a possibilité qu'on soit avocaté n'a la possibilité qu'on soit des marches on a dit même les déplacements c'est difficile. Donc, il y a un effort, il y a un coma, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Alors que pour nous, nous avons un peu de temps, nous avons pour le moment, nous avons un peu de temps. Nous maman, mon parent, mon collègue, notre papa 84. Ma femme, ma maman, dans le moment où nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, papa, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de âge. Ni ne coupe ça malheur que difficultés à vendre ma casse, difficultés à vendre ma casse. Dans un moment de sécurité, difficultés à ma casse. Nous sommes habitués. On y soit moni ou à comment on a que toucher monter manaye. Vous hésitez. Binou bateau monter mon madame. Où vous sommes à bateau. D'accord. Maman beauté. Beauté papa. Comment on a mis maman? Comment on a maman comme Pauline? Oui bah tout est moni là. Moi là. Moi, je n'ai pas. Déterminé, nous allons y avoir accès à l'eau. Ah, tu sais, papa, il souffre. Mais ta bonne volonté, tu ne sais pas. Pour moi, je suis diabétique. Je suis un peu de mal. Je suis un peu de mal. Je papa un peu de mal. Je suis un peu de mal. Je suis papa peu de mal. Je suis un peu de mal. Vivre. Je suis un peu de mal. Je suis un peu de mal. Je suis un peu de mal. Alors, je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Pour que je puisse aller à la maison, je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Mais c'est quoi? Je suis allé à la coquette. Je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Si je suis allé à la maison et je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. Est-ce que tu as un peu? Na minute sur lequel les ali passe et pas enanga, y a un homme na yekole la awa, batamute ma mala moya bonne volonté basungangai, konsanga pila ke neko rejoindre papa kuna nanda. Pour te voir dans un hôpital les a passe, sur que ton etani photo luka to sa glycémie, il faut pas que pèse ordonnance, ba o bosa le scanner to sa mbongo te. Be facture na ni boza kuna. Sur que to sa la radio, pour batela makolomi balé pono kolomu soso eza oya malamu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Si vous avez beaucoup de choses qui sont en train radio générale. Alors, vous avez un scanner pour réciter, vous avez une radio. Si vous radio, vous avez un peu de choses. Vous avez un peu de choses qui sont en train de se faire. Vous avez une bonne volonté de se faire pour rétablir une autre. Vous avez un peu de choses. Vous avez un peu de choses. Afute la ganda kwa za mwasi alibana afute la ganda kuna ye siko na ndaku na ye mboka kufute la ezati kolia pewa ye diabetic falu kalia kana tongo alia kana poko mbongo zo mona na te ya kona muni sika na ukendeli susu te na sawa kyo sekure pa nzambe sunga tali sabi sunja ni tokoko kene po tozo alisungi oi ya kona teko lela awa nzambe vrema atialo boko na baye baso wazana motema malamu basunga ngai pona mwana awana asonga bien ndenge baninga bazalaka polo boko ya gauche esimba kate lo boko ya droite ka mtetika do makonu se mebale oyeza na libende oyo ezonyatate fole moko nyataka po apesa force na oyo mwayezate siko mukolo mutuka na ebite azokalisa nini azoloba nini na ebite na minichi oyo ngana ekolela epaya bandeko oyo bazana lisbo oyo bazana makoki basunga ngai po mwana wana azong sanzoto kitoko ndenga zalaki liboso. Merci mingi maman, merci mingi en tout cas beaucoup de courage na bino. Toro lexa message. Bande ko belo batala rabiso. Pour tirer la biso ka ba coordonner na bino. Donc ce que bande ko ba ko ti en contact na ba ko pesa numéro ba to ba ko contacter bino. Ce qui et Sungeza, ok, merci beaucoup. Pour la bâton, nous sommes en train de nous faire un numéro de téléphone des amis 081
20 25 390. Nabandeli 081 20 25 390, ou bien 0900 444 976, 0900 444 976. Merci beaucoup en tout cas, que Dieu soit avec vous. Merci. Que Dieu vous protège. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.